Il faut quand même replacer, pardonnez-moi, un peu de contexte. Là, on nous dit, est-ce que la Russie peut demain envahir l'Ukraine ? On a l'impression que c'est la Russie qui est en train de se rapprocher de nous. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'OTAN qui se rapproche progressivement de la Russie. À la chute de l'Union soviétique, il avait été promis aux Russes que l'OTAN ne s'étendrait pas au niveau des frontières de la Russie. Les Américains n'ont pas tenu leur parole. Les bases de l'OTAN, les Américains, sont allés jusque dans les États-Bas. Il nous reste aujourd'hui, vraiment deux phrases. Et parce que c'est un sujet important, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Ukraine, qui est un État fragile, un État qui est lié culturellement, historiquement avec la Russie, aujourd'hui, les Américains font pression, mais c'est pas depuis hier, mais depuis plusieurs années, pour que l'Ukraine entre dans le bloc otanien, entre dans le bloc occidental. Et ça, la Russie ne peut pas l'accepter. C'est logique. Retour en France. Le